بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises sur ma chaîne, et ceci n'émane pas de moi mais du prophète عليه الصلاة والسلام, العين حق, le mauvais œil est une vérité. Et le prophète va plus loin en disant عليه الصلاة والسلام, si une chose devait devancer le destin, ça serait le Aïn. Le prophète Yaqub conseillait ses enfants, « Oh, mes enfants, ne rentrez pas tous en même temps, mais rentrez dans la ville par des portes séparées, afin que les gens ne se rendent pas compte du nombre de ses enfants, car avoir de nombreux enfants, et surtout des hommes et en bonne forme, et de surcroît beaux comme Youssouf alayhi salam et sûrement Benyamin, est une chose qui a énormément de valeur et qui est prisée chez les gens et très jalousée. Et vous avez comme ça énormément, d'accord, de hadiths qui mettent en garde contre le Aïn. Un point où il y a un hadith où le prophète dit que vers la fin des temps, une majorité de ma communauté mourra par le mauvais œil. D'accord, énormément de hadiths vont dans ce sens. Et parmi donc les méfaits du Aïn, il faut savoir que le Aïn, ça peut aller très loin. La personne qui vous jette le Aïn, ça peut être un Aïn tout simplement d'émerveillement, une chose qui l'a émerveillé, mais sans plus. Ça peut être un Aïn accompagné de Hassad, où la personne, non seulement elle vous jette un Aïn par une chose dont elle est émerveillée, mais en plus, elle vous jalouse. Et ensuite, vous avez une personne qui non seulement vous fait un aïn, vous jalouse, mais aussi espère que la chose que vous possédez disparaît tout simplement. Et ici, vous avez le cas d'une famille qui vivait de manière très heureuse, d'accord, et qui a sûrement, wallahu alam, on n'en est pas sûr, qui a sûrement été foudroyée par le aïn et la jalousie. Donc nous allons écouter et décrypter cette vidéo. Il y a un peu de musique, j'ai baissé le son, donc c'est pas moi qui mets la musique. Décryptage et commentaires comme d'habitude. Bismillah. Donc ils disent que leur joie a été transformée en pleurs et en malheurs. Donc des félicitations aux condoléances. Donc un incident très malheureux où c'est toute une famille, d'accord, qui a été victime de ceci, de cet incident-là. Malqissa, quelle est cette histoire? Donc une épouse libyenne a eu son diplôme, d'accord, donc à la faculté sûrement de logistique médicale, ou en tout cas liée au médical, à l'université à Tarablus, d'accord, à Tripoli, en Libye. Et elle s'appelle Marwa Al-Atrash. Donc là, vous voyez, elle est accompagnée de son mari, mashallah, et de son enfant. Hein, le couple, on peut dire, le couple parfait. Vous savez qu'aujourd'hui, les beaux couples, ça ne court pas les rues. Les gens qui s'entendent dans les couples, ça ne court pas non plus les rues. Il y a énormément de divorces. Donc, ses parents à elle, d'accord, et les parents de son épouse étaient aussi présents, d'accord, lors de la remise donc de son diplôme. Vous voyez donc la famille au complet ici, d'accord, donc la famille de Marwa et la famille aussi de son mari qui sont contents donc du fait qu'elle a eu son diplôme. Donc ce sont, comme on fait dans un mariage ou dans une rencontre, dans un pique-nique, ce que vous voulez, entre familles, ben les gens ils prennent des photos, d'accord, et ils s'échangent là aussi les cadeaux. Parce qu'il y a eu des cadeaux, on a remis des cadeaux donc à Marwa du fait qu'elle a donc eu son diplôme.
Donc elle, Marwa, elle-même, elle a pris des photos de tous ces cadeaux. Vous allez voir, c'est des beaux cadeaux. Donc ça, c'est comme il s'est marqué ici, les derniers moments de sa vie heureuse. Donc l'erreur, c'est qu'elle a voulu partager donc cette joie avec tout le monde en pensant naïvement que tout le monde allait être content donc de être éparti, comment dire, partager aussi sa joie. Mais c'est pas le cas. Donc, elle parle aussi du soutien, de l'aide que son mari lui a accordé, mais aussi des cadeaux que son mari lui a donné, ainsi que ses amis, d'accord, et ses proches. Vous voyez, il y a de l'or, hein, c'est pas rien, des bagues en or. Voilà, donc elle a montré une photo de son mari et de son enfant en disant, il n'y a pas meilleur. Donc, que se marier avec une personne qui vous soutient, d'accord, et qui complète votre vie. Il dit qu'il te rajoute et qu'il ne te prend rien. Parce que, bon, il y en a, c'est des vrais tards. Il y a des maris, c'est au lieu de donner, ils prennent. Et il dit qu'il soit avec toi dans tous tes besoins, qu'il soit présent dans tous tes besoins, d'accord, dans tout ce que tu as envie. Et ensuite, en même temps, tous les deux, vous réussissez donc ce que vous voulez concrétiser. Donc il dit, il était avec moi pas à pas, d'accord? Qu'Allah Azzawajal le préserve et qu'il lui rajoute donc, qu'il lui donne une longue vie. Donc ça, là, en fait, elle complimente hein, dans ce qu'elle marque dans les réseaux sociaux. Je pense que c'était sur Facebook. Donc elle complimente son mari et ainsi de suite. Comme vous voyez dans les commentaires, les gens l'ont félicité, et ainsi de suite. Il y en a, ils ont fait des doigts, il y en a, ils étaient émerveillés donc de cette famille qui, en tout cas d'apparence, a l'air très heureuse. Mais ces commentaires, comme elle dit, sont transformés malheureusement en malheur et en pleurs. Donc la joie n'a pas duré longtemps. Donc la famille est décédée en entier, d'accord, 3 jours après justement cette fête pour la remise de son diplôme. Vous voyez du sang ici, ça a été... C'est un accident vraiment, vraiment grave, subhanallah. Ouais, c'est pas de la rigolade. Donc c'est un accident qui s'est déroulé donc à côté d'une usine, c'est pas très important donc en Libye, dans la région de Qasr ibn Rachir, en Libye. Pour les Libyens, s'il y a des Libyens sur ma chaîne. Donc c'était un accident entre une ambulance, une voiture d'urgence, en tout cas, je ne sais pas si c'est ambulance ou pompier, ainsi de suite, et une voiture Toyota Camry ou je ne sais pas. Donc il y a eu l'épouse, l'époux et leur enfant. Subhanallah. Alors donc les gens, ils en ont parlé hein, dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout se fait sur les réseaux sociaux. Donc les gens ont réagi par rapport à ça. Donc
Donc beaucoup de personnes dans les réseaux sociaux ont dit que ceci, cet accident est dû à la jalousie, au hasad. Il est dû au fait que la famille a partagé donc sa joie, d'accord, avec des personnes, parce que c'est très bien que sur Internet, sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde. Il n'y a pas que votre famille, vos proches, vos personnes sûrement les personnes qui vous aiment. Il y a aussi des étrangers, des gens qui sont frustrés, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des gens qui sont à bout, il y a des gens qui manquent énormément de choses, il y a des gens qui, ainsi de suite. Tout ça fait que, voilà, il y a peut-être une femme qui s'entend pas avec son mari, qui vit un calvaire avec son mari, puis elle voit ça, elle se contrôle plus, les nerfs qui montent, elle commence à. Elle a ce qu'on appelle le seum monte par les yeux, et ça fait des dégâts, malheureusement. Ça, c'est une réalité, faut pas l'oublier. Des fois, je deviens fou, je vois des gens dans les réseaux sociaux mettre des photos de leur enfant. Mais vous êtes marteau, vous êtes malade ou quoi? Excusez-moi, mais vous êtes fou de mettre les photos de vos enfants dans les réseaux sociaux, sur Facebook, vous êtes malade ou quoi? Avec toutes les personnes qui sont un peu malades du cerveau, vous mettez des photos de vos enfants. Alors, je parle même pas d'urine, hein, mais faut vraiment être marteau pour faire ça. Ça, c'est pas des choses à faire. Après, chacun est libre, bien sûr. Donc, parmi les commentaires, il y a un commentaire qui a retenu l'attention des gens. Les gens, donc, ils ont vérifié, ainsi de suite. Donc, ils ont dit Allah, Allah yibarik fik, inshallah. Les gens, ils ont fait des doigts, comme on dit, hein. Lorsque tu rentres dans ton jardin, dis Masha'Allah, c'est ce qu'Allah veut. La quwwata illa billah, il n'a de puissance que par Allah Azzawajal. D'accord? Donc il faut toujours, toujours barak, d'accord? Surtout dire Masha'Allah, Allah yibarik. Mais il y a des gens, voilà, il y a une fille, je pense qu'elle va passer un mauvais quart d'heure, elle va se faire lyncher, elle a dit Inch'Allah, tmout, anta wa iya, wa iya. Inch'Allah, que toi tu meurs, toi et elle. Voilà, avec ça là, les smileys bizarres là, mais je sais pas si je sais pas si elle plaisantait ou c'était sérieux ou il y avait quelque chose en elle pour dire ça déjà, franchement. Ici elle dit Twafaou, irtahi taou. Il y en a qui lui a répondu, donc après la mort, que la famille a décédé, il lui a dit ils sont morts, donc ils sont décédés. Irtahi, soit maintenant apaisé, en parlant à la femme qui a dit ça, la phrase là, Irtahi taou, maintenant tu peux te reposer, tu peux être apaisé, Haqira, espèce de ville, en s'adressant à la femme qui a dit la phrase là, la phrase de malade. Elle lui a dit, Inch'Allah, t'mout. Tu meurs toi, lui et elle. Et subhanallah, regardez le mari là, qu'est-ce qu'il a dit? Le mari bien élevé, son mari, Mohammed, il lui a dit, Shukran ala mororika, je te remercie pour ton passage. Sans plus, sans l'insulter, sans rien dire. Voilà, ça se voit que c'était quelqu'un de poli, de bien élevé, ainsi de suite. Mais voilà. Donc, on ne sait pas exactement les vraies causes. Peut-être que il roulait vite, peut-être qu'il y a un problème dans sa voiture, peut-être que c'est. Faut aussi savoir que parfois l'aïn, parce que des gens ils vont dire non, mais il y a eu une défaillance technique. Ok, il y a eu une défaillance technique. Faut savoir que l'aïn peut causer des défaillances techniques, comme l'aïn peut causer des maladies dans ton corps. D'accord, ça veut dire que si vous avez un médecin, vous allez trouver exactement, vous allez trouver effectivement quelque chose, c'est-à-dire vous allez trouver une défaillance, d'accord, corporelle, médicale, ce que vous voulez. Il va y avoir quelque chose. Mais vous savez que l'urine peut causer cette chose-là, d'accord? L'urine peut faire, par exemple, que des fois, je ne sais pas, par exemple, vous n'êtes pas concentré lorsque vous allez conduire. L'urine peut faire ça, d'accord? L'urine peut causer de la fatigue, faire en sorte que vous êtes fatigué, que vous n'êtes pas concentré sur la route, ainsi de suite. Beaucoup de choses comme ça, d'accord? Les gens qui ont l'habitude de subir un peu le rhin, quand des fois vous êtes bien, vous sortez, tout va bien, d'un coup, la sortie se transforme en embrouille, ça crie, on ne sait pas pourquoi ça s'embrouille, on sent qu'il y a des mauvaises ondes sans savoir pourquoi. Ça, c'est le rhin, d'accord? Donc il faut au maximum, éviter d'exposer, d'accord,
et suivre la nasiha, le conseil de Yaqub alayhi salam, Jacob à ses enfants, ne rentrez pas dans la ville tous en même temps par la même porte, mais rentrez par des portes séparées. C'est pas pour rien, d'accord? C'est pas pour rien que Yaqub alayhi salam dit cette chose-là, d'accord? Donc l'ayn, c'est une réalité de surcroît notre époque, vers la fin des temps. Pourquoi? Parce que vers la fin des temps, les gens deviennent de plus en plus mauvais. Dans un hadith, il est dit qu'il y a pas, vers la fin des temps, il y a pas, le jour qui succède l'autre est pire que celui qui le précède, ainsi de suite. C'est comme ça. C'est plus on avance, plus on va vers les injustices, les gens sont mauvais. Après, il y a des paramètres sociaux qu'il faut prendre en compte et politiques. Il y a des gens qui vivent dans la précarité, on l'a dit, la pauvreté. Il y a des gens qui vivent de manière, sur plan sociétal, qui ont une mauvaise vie. Hein, voilà. Et ces gens-là, eh ben, s'ils ne craignent pas Allah Azzawajal, ils peuvent vous porter l'œil. Même des fois, quand vous craignez Allah Azzawajal, vous êtes mené, peut-être vous êtes, comment dire, vous avez, malgré vous, vous pouvez porter le mauvais œil, d'accord? C'est tellement quelque chose de force que vous voyez, tellement vous subissez quelque chose que peut-être vous allez dire pourquoi moi j'ai pas cette chose-là. C'est suffisant, une phrase comme ça, ou à regarder d'un regard voilà, frustré. C'est suffisant peut-être à porter atteinte à la personne. D'accord? Donc toujours, toujours, même si vous regardez quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous aimeriez avoir, quelque chose que vous n'avez pas, vous voyez un couple heureux, ainsi de suite, toujours, Mashallah, Allahumma ibarak. Vous voyez une belle voiture, Mashallah, Allahumma ibarak. Elle vous plaît et vous voulez la même, Allahumma, Mashallah, Allahumma ibarak, ainsi de suite, sans désirer que cette personne lui arrive un truc. Il y a des gens, ils regardent, ils disent, ils ont le seum, il y a des gens, ils ont vraiment le seum, il y a des gens malades, il y a des gens, ils ont le cœur malade. Et puis, il y a des gens, je vous l'ai dit une fois dans des vidéos, il y a des gens, c'est des professionnels du ayn, ils savent qu'ils ont un ayn puissant, d'accord, et un mauvais œil puissant, et qui peuvent, rien qu'en regardant des gens, en regardant de belles voitures, moi, ça m'est arrivé en direct, hein, je vous l'ai dit. Donc, ça, je l'ai vu de mes yeux, je le sais. Et il y a des gens, ils sont spécialisés là-dedans, ils font que ça. Ils marchent dehors, ils surveillent les gens, ils regardent, c'est quoi, ouais, belle cette voiture, c'est quoi comme voiture, nanani. Puis il va voir un autre, ah, tu fais de la muscule, ça va, oh, ah, t'es balèze, hein, oh, nanana, et ainsi de suite. Et voilà, il y a des gens, ils font que ça. Donc, ne prenez pas cette chose à la rigolade. Donc, évitez de diffuser des choses comme ça. Quand vous êtes joyeux, ben, essayez au maximum de ne pas exposer ceci aux gens. Après, vous n'êtes pas obligé de vivre en cachette, dans le secret, mais au maximum, évitez d'exposer. Parce que déjà, c'est pas bien. Déjà, il y a des gens, ils exposent ce qu'ils mangent, ils mangent des bons repas, ils montrent, tiens, je suis parti en voyage à tel endroit. Mais il y a des gens, même Sakine, ils n'ont pas les moyens de voyager. Il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de manger ce que vous mangez. Faut aussi vous mettre à la place des gens, d'accord? Il y a des gens, je sais pas, moi, ils mettent un plat de crevettes, ils pensent que c'est un truc anodin. Il y a le mec, il a même pas de quoi manger, je sais pas, moi, du poulet ou du thon ou ce que vous voulez. Donc mettez-vous aussi à la place des gens. Il y a des gens qui sont frustrés malgré eux, il y a des gens qui sont malheureux, il y a des gens qui galèrent, il y a des gens qui... Donc évitez d'exposer votre vie au maximum, d'accord? Pour ne pas attirer le ayn. Car le ayn, c'est pas de la rigolade, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais j'ai fait des doigts, je fais des doigts contre le ayn, je fais ça, oui, mais n'oublie pas que le prophète te dit que le ayn peut devancer le qadar. S'il y a quelque chose qui devait devancer le qadar, le prophète te dit, c'est le ayn. Donc le ayn peut devancer le qadar, d'accord? C'est pas quelque chose d'anodin. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous, inchallah, vous comprendrez donc la gravité de ceci. N'exposez pas votre vie dans les réseaux sociaux. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime, un partage comme d'habitude. Vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Il y a des vidéos qui arrivent, inchallah ta'ala.